Yo les gars, c'est Sagdi et aujourd'hui les gars on se retrouve sur Infinite Warfare. Ça fait depuis la sortie que j'ai pas refait de gameplay dessus, il me semble. J'avais joué de temps en temps quand je faisais des streams, enfin quand je fais des streams des fois j'y jouais mais genre très très vite fait. Et aujourd'hui on s'y retrouve pour une nouvelle vidéo dessus et cette fois ça va être de la zone de largage. Enfin j'aimerais dire, putain. Alors ça a été, c'est vraiment le problème d'Infinite Warfare, c'est aussi pour ça que j'ai pas trop joué et tout. C'est qu'ils nous ont promis beaucoup de choses et en fait on attend, ils préfèrent sortir le marché noir en avant. Enfin bref, c'est toujours pareil, c'est chiant. Bon, ça y est, il y a la zone de largage, enfin fin janvier. On va pouvoir un peu voir à quoi ça ressemble. Il y a eu aussi plein de modifications pendant que j'étais pas là, pendant que j'ai pas joué ou je jouais quand même dans Warfare. Donc je sais pas trop ce qu'il y a eu, mais de ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a une variante, enfin, du KBS qui permet d'améliorer la cadence, c'est-à-dire d'améliorer le rechargement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu tires une balle, tac, t'as le petit verrou, et ça va un peu plus vite. Alors je sais pas trop, j'ai pas vu de gameplay avec, donc je sais pas si c'est vraiment flagrant, si ça suffit maintenant pour mettre des quad feed full single sans être, comment dire, super rapide de folie, genre, parce que là pour mettre une quad feed avec le KBS, il faut s'accrocher. Et après aussi les snipers me plaisaient pas trop, genre l'intervention faisait beaucoup trop de hit marker, en fait tu vois, il y a plein de trucs qui faisait que bon, ben j'aime pas trop le gameplay et tout, ça me plaît pas. Bon après il y a eu toutes ces modifications, malheureusement j'en fais... Oh il a fait la triple. Oh non j'ai broqué un mec là. Oups, désolé. Et donc du coup cette zone de largage, alors pour y avoir testé, pour l'avoir testé un peu avant du coup, elle est sympa. Alors par contre je comprends pas trop les spawns, donc là ça va être une map que j'ai jamais faite en zone de largage, mais bon. À mon avis ça va être un peu plus intéressant parce que quand tu fais des maps un peu plus grandes, bah, il s'avère que c'est quand même assez compliqué de se repérer si tu connais pas les spawns et autres quoi. Donc là je pense que ça va aller mieux, donc j'ai l'impression que la zone elle est en bas. Oh le hitmarker tu vois, ça commence. Aïe, vite, je vais aller en bas. Viens. Ah oh, putain je sais qu'il va venir là. Ah dommage. Mais bon c'est vrai que les j'ai pas trop compris quoi les spawns zone de largage. Bon en même temps c'est un peu normal, c'est un tout petit peu différent. Et vous voyez que cette fois il n'y a pas de la fumée et tout ça. Ça c'est vachement agréable hein, comparé à Modern Warfare 3, Ghost ou autre. Avoir cette putain de fumée dans la zone c'est vraiment relou. Donc là c'est juste une petite zone où il quadrillage. Enfin c'est genre le sol qui est un peu une différente couleur pour dire bah, si tu es dans la zone ou pas. Et franchement ils auraient dû faire tellement ça avant. Mais vraiment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ben voilà, la ZL c'était vraiment chiant par rapport à ça. Bon c'est un petit détail tu vois, oh j'ai fait une collate. D'accord, j'aurais pu mettre la triple que je m'en serais même pas rendu compte. Ah le hitmarker. Oulé. T'as ce KBS, il est vraiment kiffant mais putain, il manque tellement de cadence. J'aimerais tellement avoir cette variante. Là j'en suis sûr, vraiment j'ai la variante, j'en suis sûr, je pense que je jouerai un peu plus à Infinite Warfare. Enfin, c'est vrai que quand j'y jouais, ben, c'était à la sortie de jeu, donc c'est vrai qu'il était très pollué. Et là apparemment ça va un peu mieux, c'est même vous qui me l'avez conseillé, que ce soit sur mes lives ou autre. Et ouais c'est vrai que là je regrette pas le petit retour quand même. C'est vrai que j'avais fait un stream hier soir mais c'était pas très bien passé. Mais vraiment ça, en fait ça dépend des maps, j'ai l'impression la ZL là. Enfin sur cette map là c'est la dinguerie, déjà que cette map de base c'est une dinguerie. Mais alors là j'ai l'impression que c'est encore mieux. Allez petit headshot gratuit. A tester de toute façon au long terme sur toutes les maps. Ah merde. Il est où, je vais le chercher. Ah non d'accord, il n'est pas là. Par contre lui. Oups. J'en ai même pas eu un quoi. Quelle honte. Alors je crois que c'est le premier à 700 et quelques points. Honnêtement, je crois que j'ai jamais vu encore une partie de ZL se finir avant les 700 points. Parce que c'est quand même relativement long. Généralement tu joues 10 minutes, ça c'est cool aussi. Parce que c'est quand même bien. C'est vrai que le match à mort par exemple c'est cool. Bon maintenant il a 100. Oula. 100 points et tout, c'est un peu plus long, mais bon, c'est quand même à chaque fois un peu court, il manque à chaque fois un petit truc. Bon, après, comme j'ai dit, j'ai pas rejoué au jeu depuis. Hein. Vous regardez ma dernière vidéo, vous regardez mon niveau actuel. Là, je suis niveau combien? Prestige niveau 29. Je crois que dans ma dernière vidéo, ça devait être un bail pareil, quoi, hein, pour dire que j'ai pas du tout joué. Donc. Ever. Et c'est vrai que quand j'ai joué, putain, les lobbies, c'était infâme. Infâme, hein, moi, de chavard. Bon, après, c'est à chaque fois, à chaque sortie de Call of aussi. C'est vrai que j'ai peut-être pas trop laissé sa chance à jeu. Un peu dur, bah en même temps il y a Modern Warfare, vous le savez, Code 4, bon je kiffe. Après je sais que il y en a beaucoup qui kiffent pas MWR par rapport aux campeurs, par rapport à la communauté, ça je peux comprendre. C'est vrai qu'Infinite Warfare ça bouge un peu plus, c'est un peu plus dynamique. Oula. Et c'est vrai que ça fait plaisir, putain derrière moi. Ah oh, genre je l'ai pas eu. Ah genre. Oh putain il y avait. Oh là toute la famille, vite. Middle. Je vais prendre l'intervention, ça ira un peu mieux. Peut-être. Ok, plus personne. Comme par hasard. Je l'ai ou pas? Non. Ok, assiste. Ouais, super.
Tu vois les hitmarkers, putain, je prends à peine inter que j'ai des hits quoi. Pour ça, KBS, cadence améliorée, c'est best sniper ever à mon avis. Mais vraiment. Bon, je fais combien là? 19, 11. Ouais, vite fait, vite fait, vite fait. Bon, pour un petit retour aussi. Mais putain, sérieux, y'a rien qui passe. Oh là là, il les a tous alignés, bien joué, mec. Ah, putain, moi je fais de la merde. Putain, il a trop bien joué, le gars. Il les a tous dépouillés. Oula. Mais sérieusement? Ah, bah voilà, putain. Oh, j'ai galéré. Et vous voyez, 54 points, 55 points, 78. Enfin, c'est pas impressionnant là, les points. Alors qu'il faut aller en 700. Hein. Attends, vérifie, j'appuie sur start. 750, ouais, c'est bien ça. En même temps, on n'est pas réellement sur la zone. Hein. Oups. Putain, mais ils me volent tous mes kills, les mecs. Voilà. Alors, ça, c'est un allié. On va le laisser tranquille. Ouais, tu vois, les spawns, c'est pas pareil qu'un match à mort. Un match à mort, je sais que normalement, ça aurait spawn là où j'aurais été. Enfin, quand ça le veut bien, hein, évidemment. On connaît les spawns. Allez, ils sont tous là, j'ai l'impression. Oups. Ah, genre! Ah putain, ah en fait d'accord, j'ai l'impression que les spots c'est juste derrière. Putain, je suis carrément concentré, c'est bien, il y a de l'action. C'est vrai que par rapport à MWR, par rapport à ce que certains me disaient, que ça bouge beaucoup plus, oui. Effectivement. Ah merde. Trop nul, trop nul. Trop nul ce que j'ai fait. Vas-y, je vais rejouer KBS parce que là j'ai KBS intervention, mais. Je vais tester plus le KBS. Putain, mais enculé, mais les gars, restez pas au bout. Ne restez pas au bout. Allez, on va aller en bas, vu que la zone est en bas. Ok, je l'ai eu. Il y en avait qu'un, c'est bon. Oh non! Oh, je t'ai cru que ça s'était pris la triple par le mec. On s'est pris la triple au. À la RCX Débis. Ah putain. Ah, j'ai eu peur que ce soit le mec à l'autre bout là. Il me semblait avoir vu un mec là qui campait. Il aurait mis la triple, ça m'aurait dégoûté. Putain, j'arrive pas. J'arrive plus. T'as 131, mais tu te rends compte? Bah attends, c'est super long la ZL. Mais c'est bien, ouais. Bon, est-ce que je vais y arriver? Ouh là là, il y a du monde en plus. Oh là là. J'aimerais bien une petite triple, hein, mais j'avais jamais mis sur ce jeu là. Bon, l'intervention ça risque d'être compliqué, mais au KBS. Oh là là! Vraiment pas de chance. Mais cette cadence, elle me bloque trop. Vous comparez au Locus? Oh, le Locus, c'est tellement dingue. Genre vraiment, ça va tellement vite, c'est trop cool. Ah, y'a pas le mec là. Bon, je dis ça va être là. Derrière moi, je sais pas. Non, sérieux, y'a personne. Vas-y, short le petit spécialiste. Et évidemment, je me suis trompé d'endroit, y'a rien. Ouais, forcément, évidemment. C'est trop bien. Putain, je le réflexe comme si j'étais en stream, tu sais, genre, ok, bonjour. Je suis en stream. Non, pas du tout, je fais une vidéo YouTube. C'est vrai que les streams j'en fais beaucoup maintenant, c'est vrai que les vidéos vous allez dire ah mais il y en a beaucoup moins et tout. Et c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de streams, je prends un malin plaisir à en faire en fait. Et si vous voulez les infos, il y a tout dans la description, et c'est à chaque fois de. C'est quoi, du dimanche soir au jeudi soir, si ma connexion marche, de midi à 14h et de 21h à 23h le même jour, voilà. Sauf le dimanche du coup j'attaque que le soir. Vous vous doutez bien. Hein. C'est vrai que j'en ai jamais réellement trop parlé en vidéo. Putain merde, il s'est fait buter. Ah mais merde, la ZL est là. Putain mais. Oh toi tu vas prendre une autre bateau. Mais non, mais voilà. Putain, bah par contre c'est ça qui est chiant, la zone de largage. C'est qu'il y a toujours les largages. Mais ça peut pas être compte ce que je dis. Mais ce que je veux dire, le problème c'est que les gars ils vont choper des putains de killstreaks par moment. Donc ça risque des fois de te pénaliser. Oula, je crois qu'il y a d'autres gars. Oh dommage. Donc oui, c'est un peu le bénoble. Mais elle est un peu plus améliorée quand même. C'est mieux que ce qu'on avait avant, je trouve. Enfin, ce qui concerne. Ah, dommage, je voulais changer de sniper. Ce qui concerne, en tout cas, rien que de la zone en elle-même, c'est-à-dire dans la zone où on va aller pour avoir ses largages et mettre des points aussi par la même occasion. Chose que je ne fais pas. Mais je veux dire, les killstreaks. Du coup, c'est à chaque fois aléatoire et tu sais jamais ce qu'il va y avoir. Ah, dommage. Allez, la zone est en bas. Non, c'est vachement plus propre, je trouve. En tout cas, donnez-moi votre avis, mais je trouve ça un peu plus propre. J'ai combien? 37 kills. Ah mais je suis quand même mort pas mal de fois hein. Aïe.
Non, laisse-le, c'est moi qui l'ai vu en premier, le mec. Ah, en plus, il y a un gars derrière toi, putain. Oh non. En plus, je spawn juste là, quoi. C'est quoi ça? C'est un ennemi. J'ai peur qu'il spawn là, en fait. Ah! Non, calme-toi. Là, le mec derrière, il est trop chaud, là. Il est où? Il est où? Ah, putain. En tout cas, il y a beaucoup moins de grenades explosifs, tête chercheuse. Enfin, pas les grenades, c'est une sorte de mine tête chercheuse. Les grenades qui explosent fois un milliard, là. Ça a l'air d'être un peu plus calme, quand même, là. Alors après, ça dépend des lobbies, tu vas me dire, mais... Du moins, de ce que je teste, là, pour le moment, et ce que j'ai testé hier, ça passe, quoi. Je fais que mourir par... Ah non, c'est quoi, ça? Ah non, c'est un autre killstreak, d'accord, je sais même pas ce que c'est, quoi. C'est genre un AC-130 bis, à ce que je comprends. Oh, le bâtard, il s'enfuit au dernier moment. Comme il a pas assumé. Putain, ça assume pas, hein. Et la petite victoire, 5,95 à 182. Voilà, on est très loin des 700, on est très loin d'avoir joué l'objectif. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas réellement, en fait, ce système d'avoir des killstreaks, forcément. Ce qui était intéressant dans le largage, c'était les spots qu'il y avait, etc. à faire, donc... Voilà, et pour le moment je connais pas trop, donc du coup c'est vrai que c'est pas trop ça, mais bon voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la zone de largage. Est-ce qu'elle apporte un plus, est-ce qu'elle apporte un moins, ou est-ce que Finitoire Force ça vous intéresse pas du tout? Voilà, j'aimerais vraiment savoir un peu ce qui se passe sur ce jeu, parce que je sais que beaucoup n'aiment pas trop MWR par rapport au campeur, mais IW, pourquoi vous n'aimez pas? Voilà, j'aimerais bien savoir. En tout cas, un petit retour qui fait quand même honnêtement très très plaisir. Et puis voilà, bah écoutez, sur ce, c'était tout. Je vous smoke tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!